Laissez jouer le scorpion! Salut et bienvenue! Et on se retrouve ici sur notre deuxième épisode de Scarlet Nexus. Donc on reprend là exactement où on s'était arrêté. Donc là on doit se préparer si on le veut. Alors si j'appuie sur la flèche du haut, ici, qu'est-ce que ça cache? Je peux choisir une autre région. Alors bah c'est là que je dois aller. Donc on va aller à Kikuchiba. Hop là! Alors, on peut combattre ici. Oh, le son est tellement décalé. Carte de capture, elle m'énerve pour ça. Ok, c'est corrigé. Bon. Narukami隊長、質問よろしいでしょうか? ゆいと、そんなかしこまらなくてもいい。海抜軍は絆を重視するため、名前で呼び合う慣例がある。みんな見た目と年齢が釣り合ってないしな。階級だって、まあ、給料の計算のために付いてるようなもんだ。海抜軍が重視するのは強さだけだって覚えておきゃいいのさ。ざっくり言えばそういうことだ。で、質問ってのは? はい。あの、まだ渡るさ。渡るが到着してないようですけど。渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安にシステムの補助なしでテレパシーを送れるってわけ。とはいえ、負担が大きいんでグループに入ってもらうぞ。パーソナルポートを開放してくれ。 各班の代表は、ナギ、ユイト、ツグミとする。それぞれ、渡るの誘導を受けて、所定のゴールまで向かえ。途中の会議は全て討伐を試みろ。叶わないと判断した場合、逃走を許可するが、ゴールにはたどり着けよ。以上だ。了解。じゃあ、また後でな。頑張って。 Alors, notre première mission. Alors, le sac est une connexion inter-cerveau via un câble virtuel qui permet d'utiliser temporairement les pouvoirs des alliés. Le menu du sac s'affiche en bas à droite de l'écran pendant les combats. Appuyez sur R1 plus rond, croix, triangle ou carré, ça activera le sac correspondant à chaque emplacement. La durée effective du sac varie selon les pouvoirs et celui-ci se désactivera une fois la jauge vide. Vous pouvez désélectionner vous-même avec R1 et R3 ou R1 plus la touche correspondante. La vitesse de remplissage de la jauge varie en fonction du pouvoir, mais vous pouvez utiliser ce dernier de nouveau lorsque la durée de récupération sera écoulée. D'accord. Donc, en empruntant le pouvoir de pyrokinésie, vos armes et vos projectiles de psychokinésie s'enflamment et les combos d'armes ont une portée étendue. Ils infligent plus de dégâts et les attaques répétées peuvent provoquer l'altération brûlure, efficace contre les ennemis, victimes de l'altération, couverts d'huile. Les effets sont ajoutés au fur et à mesure que votre niveau d'affinité avec un habit augmente. Parfait. Donc, on va y aller tout de suite. Voilà. Yeah.
Alors, est-ce que j'ai verrouillé? Oui. Mange ça. Beaucoup de boutons à penser, R1, R2. Alors, l'altération d'état de brûlure est provoquée par d'importants dégâts de feu si vous subissez des dégâts supplémentaires jusqu'à ce que l'altération doit être supprimée. Ok. Alors, il y a un objet ici. Alors, c'est quoi le truc ici? On n'a pas de gros combo dans les airs. Ah mais là. Il y a encore des ennemis. Ah mais là. Ah mon dieu. Un carte de capture qui lag. Ok, juste un instant, je vais essayer de régler les affaires. Bon, je pense avoir réglé tout ça. Alors, il y a un objet ici, mais il est de l'autre côté. Oups. Alors, nous avons un magasin ici. Bon bah c'est bien, au moins on sait qu'on peut sauvegarder pendant l'émission. Et se réapprovisionner également, on va racheter... Une gelée à 10, c'est le maximum, d'accord. Ok, on ramasse le truc vert ici. Alors, on peut rentrer là. On peut rentrer là aussi.
Alors, maintenez L2 pour consommer la jauge psychokinésie et attaquer avec les objets spéciaux. Une fois l'ennemi touché, appuyez sur les touches affichées à l'écran pour porter des attaques supplémentaires. Les combinaisons de touches varient en fonction du type d'objet spécial. D'accord, donc L2. Allez, hop, on maintient L2. Alors, hop. Ok, bon, cette fois-ci, c'est le téléphone. Bon, on reprend ça. Tiens, mange ça. Allez, hop, on l'essaie encore une dernière fois. Non, j'ai pas assez de psycho. Oh. Pour l'instant, c'est les mêmes manipulations. Bah, on est passé niveau 3, on a gagné beaucoup de points de vie. Alors, y a-t-il des choses à ramasser? Non. Je cherche pour rien. Alors, regardez la carte. J'ai déjà ramassé les emplacements de données. Ah, ok. Alors, hop, on va se soigner. Et voilà. C'est bizarre la ville. C'est un peu comme ça. ちょっとカルトっぽい。おっと、カルトなんて言っていいのかな?カゲロウはもともと渡月橋の伝道者で神職だったんだぜ。え?あの人が神職?おーい、聞こえてるぞ。生徒招待のグループトーク使ってるの忘れんなよ。ごめんなさい。まあ、しゃあないわな。気にするなよ。 親が信者だったから自然と神職になっただけで、教えには全く興味ねえし。今じゃ菊池場がそんな風になっちまって、教団からスオーに来る人間もあんまり見かけなくなったけどな。何ですか、あのドローン。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。 もう嗅ぎつけてきたか。気をつけろよ、みんな。カラス?マスコミ?みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街ナビじゃん。投影装置の故障かな。綺麗だけど、なんだか怖い。おお。 Ok, ils sont un peu chiants ceux qui volent parce qu'ils te visent et ils te crachent un truc à la gueule. Alors que t'es en train de taper sur un autre. Il...
Ah, mais j'étais loin de ton attaque. Non, c'est bon, il n'y a plus d'ennemis. Bon, faut que je m'adapte au gameplay. Je suis pas encore en train de le maîtriser. Pas évident de voir quand est-ce qu'ils vont attaquer. Alors, l'altération couverte d'huile est provoquée par d'importants dégâts d'huile, bla bla bla. Oups. Et donc on peut être brûlé. Et hop, niveau 4. Alors je suis couvert d'huile. J'ai pas assez pleine. Bon, au niveau des combos, c'est pas évident pour le moment. Ok, comment on récupère cette affaire là? Je pensais qu'elle était derrière les grilles. Ok. Yop. Gâchis. Donc ouais, on peut pas passer là. Alors, est-ce qu'on se rapproche du boss ou pas du tout? Ok, on peut descendre là. Une sauvegarde ici. Ok, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Des données. Ouais, on peut pas passer. Non, il n'y a pas d'ouverture.
番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でも…なんか、変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て。こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に海抜群を殺してる怪異よね。隊長、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神兵には厳しい相手だが、持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。ぐぅー、やるしかないな。行くぞ、花火。Ok, y'a l'eau, Yoito. Alors, c'est parti, on verrouille. On lui envoie un truc sur la gueule. Ok, je peux pas faire d'esquive dans les airs. Oh.Hey, j'ai lancé une esquive. Et là, j'étais en train de me soigner. Ok, quand je suis couvert d'huile, je ne peux pas faire d'esquive. Ok, ça lui fait pas beaucoup de dégâts corps à corps. Non! L'amène. Hey, j'ai esquivé. Mon Dieu, les esquives sont dures à placer, hein. Vraiment dur à placer. Non, approche-toi pas. Parce que ça va être beau, ça. Non, il est trop loin maintenant. Allez, approche. Je pense que j'ai pas le choix d'utiliser les affaires du terrain pour réussir le combat. Voilà, ça y est, il brûle. Bon, là, je peux rien faire. Ha 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 ha!
M'attendez pas à cette attaque là. Il est mort par le feu. Yattaka. Yuito, buchika. Omae ra, makikomaretaku nakereya hanarete ro. を倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか？自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオン君7頭の瀬戸鳴神隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ超党兵の戦いぶりは？ユイとも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのはやはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか？さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな祈祷するぞ。周防に戻るまでが任務だからな、気を抜くなよ。了解。カラスどもはいないか。やれやれ、どうやら今年の狙いはユイトみたいだな。今年の狙いって何ですか？スター候補だよ。毎年新入隊員の中の目立つやつがカラスにつけ回されるんだ。これから大変だぞ。しばらく続くんですか？困ったな。注目度高いならいいじゃん。もしかしたら取材とかバンバン来るかもよ。嵐さんみたいに広報誌の表紙になったりあるかもな。あいつらしつこいから。ユイト、いろいろと面倒なことになるかもしれないが、真面目に応対しないで適当にいなすんだぞ。はい、できるだけうまく立ち回ります。来る。つぐみちゃんがカラスを見つけたみたいよ。よし、それじゃあ手短に。これで今回の任務は終わりだ。今後は上から直接命令が送信されてくる。出撃命令に拒否権はない。所定の時刻に所定の場所へ向かい命令を遂行しろ。討伐任務と実地訓練は自由参加だ。とはいえあまりサボるなよ。カラス、もうすぐそこまで来てますね。ジャミングかけてますが時間の問題です。他にわからないことは渡るに聞いてくれ。よし、周防に戻るぞ。隊長、俺ここで直帰でいい？寄り道したいとこがあるんだけど。今すぐじゃなきゃダメなのか？
野暮なこと聞かないで。やれやれ、構わん。好きにしていいぞ。隊長、大好き。Ok, on est passé niveau 5. Ah ok, donc nos amis aussi gagnent des niveaux et de l'expérience. C'est sûr que je pense que eux, on ne peut pas agir sur leur arbre de talent. Carte cérébrale. Alors, j'avais pris l'affaire pour se relever. Là, je pourrais maintenir triangle pour emmagasiner de la puissance, puis relâcher triangle pour lancer une attaque armée plus puissante dans une large zone. Ok. Appuyez sur carré après une esquive parfaite pour réaliser une attaque armée. Ok. Alors, ici, on avait quoi? Plus 5% d'attaque, augmente les dégâts des armes armées. Et puis ici, ajoute un emplacement supplémentaire à l'écran d'équipement. Donc, ça peut être bien. Voilà. Ça aussi, à plus de dégâts. Maintenant, au niveau des manipulations, des techniques. Alors, on a quoi maintenant ici? Augmente les stats et augmente les stats. Donc ça, c'est vraiment améliorer les statistiques. Et ici, c'est développer les techniques. Donc, on va prendre celle-là. Ça donne plus de choix après ça. Ramasse automatiquement les objets à proximité. Ok, la jauge de psychologie se remplit un peu après une esquive parfaite. Et maintenez triangle dans les airs pour réaliser une attaque armée descendante. Ok. PC insuffisant. Ok, ça prend 2. Hein, c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est relié? Ah ok, ouais. C'est la première fois que je prends un point lié. Hop là, voyons. On va y aller ici. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va achever cet épisode de Scarlet Nexus. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous l'aurez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cocher la cloche de notification pour ne rien manquer et laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.